ennemi en approche. Bientôt plus réapparaître. Encore 25 ennemis actifs. Tuez-les tous. Braderie terminée. Les prix ont été rétablis. Le gaz se propage. Let's go! Et yo les petits potes, c'est Rookie. Et dans ce gameplay, j'ai joué avec la RAM 7. J'ai vu des vidéos sur la RAM 7. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Cette arme a strictement zéro recul. Une cadence de tir qui est quand même franchement correcte. Et un profil de dégâts également. Ce qui fait que ça en fait tout simplement l'aggro 2.0. Alors, vous l'utilisez comme vous voulez, que ce soit pour soutien sniper ou arme de long range. Moi, j'ai préféré l'utiliser en soutien sniper. Et voici les éléments que j'ai mis sur ma classe. Alors, franchement, avec ceux que j'ai mis, elle ne bouge pas d'un poil. Donc, accessoire canon, poignée lourde de soutien, Bruen. On ne change pas un grand classique. En canon, j'ai mis le Headwind. Voilà, celui-là. Donc au niveau des stats, ça donne ça. Hein. En bouche, j'ai mis le frein de bouche Casus. Il faut que je le trouve, celui-là. En termes de stats, ça donne ça.
Donc c'est pas extraordinaire vu comme ça, mais tous les autres ont beaucoup de points négatifs en fait. Et j'ai vu un youtubeur américain l'utiliser. Et combiné à tous les autres accessoires, le canon, la poignée et le dernier qui est donc la crosse de recul HVS 3-4, le tout combiné ensemble, en fait, vraiment, cette arme ne bouge pas d'un poil. Avec une mobilité qui est franchement très 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 confortable. Et en chargeur, du coup, j'ai mis le 40. Franchement, sur des gros squads, vous pouvez même mettre le 60. Alors, j'imagine qu'il pénalise quand même pas mal la mobilité, tout ça. Mais là, dans ce gameplay, j'ai mis le 40. Les balles partent assez vite quand même. Donc, pour du solo duo, ça passe, je pense. Pour du trio, à mon avis, il vaut mieux viser du 60. Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Je l'avais pas monté. Là, le niveau 27, quand j'ai commencé à jouer avec, j'étais niveau 22. Parce qu'en gros, tous les éléments que je vous ai mis, il faut être niveau 22 pour les avoir. Pour avoir les 5. Donc j'étais niveau 22, donc forcément elle a monté en jouant avec. Et donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout pour accéder aux accessoires les plus. Enfin, on va dire ceux qui sont nécessaires, les plus importants. Mais franchement, je vous invite vraiment à la tester parce que elle est méta. Et je dis pas ça pour flex ou pour bait click, mais vraiment, je veux dire, les faits sont là, elle a pas de recul, profil de dégâts qui sont très corrects, mobilité qui est quasiment celle d'une grosse SMG. Régalez-vous, régalez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.